السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Une parole d'Imam Rahbiya dans son livre, Imam Rahbi dans son livre Rahbiya, le livre de l'héritage, il dit il faut mémoriser car toute personne qui mémorise l'imam. Ya Abdallah, Ya Salam. L'imam devant les gens est quelqu'un respecté par les gens, est quelqu'un honoré. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été l'imam des gens. Il était devant les gens. Parce qu'il avait la science que tout le monde. Ben parce qu'il était le prophète, le messager d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'on choisit un imam, aussi parmi les conditions pour choisir l'imam, on dit les ya'umma al-qawma akrahum bi-kitabillah. Celui qui doit être l'imam doit être celui qui lit parfaitement le Coran et le Kérim. Il faut donc mémoriser. N'écoute pas les paroles des gens, des coupeurs de route qui découragent les gens dans la mémorisation, ya Abdallah. Sache que la base de la science, la première science qu'on a commencé avec, c'est la mémorisation avant toute chose. Et naam, Cheikh Lusimir Rahimahullah, il avait l'habitude de dire قرأنا كثير واطلعنا كثير وما بقي معنا إلا ما حفظناه سبحان الله c'est par quoi nous écrivons non il disait nous avons beaucoup vu le livre on a beaucoup lu le livre là qui n'est resté avec nous que ce qu'on avait lu ici il est ta science يا عبد الله ما معك ta science ما هو في صدرك ta science qui est dans ton cœur c'est ce qui est avec toi c'est ça ta connaissance il vient الحفظ 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 يا شباب الإسلامي وبارك الله فيكم الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة